Le 13 mai 1882, Georges Braque naît à Argenteuil. Sa famille possède une entreprise de peinture. En 1890, la famille Braque s'installe au Havre et fonde une entreprise familiale de peintres en bâtiment. En 1893, Georges Braque s'inscrit au cours du soir des Beaux-Arts et y découvre les fauves en 1905. En 1907, Georges Braque s'éloigne des fauves et découvre les œuvres de Paul Cézanne lors d'une exposition posthume. À partir de 1907, Georges Braque se rapproche de Pablo Picasso et théorise ensemble ce qu'on appelle le cubisme analytique. Mais c'est en 1908 que le critique Louis Vauxel, lors d'une exposition de Braque, compare ses œuvres à un amoncellement de petits cubes. C'est alors que le cubisme connu comme tel est né.